Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, avec tous les évêques d'Île-de-France, je suis heureux de vous accueillir ce soir dans la cathédrale pour cette veillée de prière que nous plaçons sous l'intercession du bienheureux Jean-Paul II. Veillée de prière pour la vie, c'est de notre part un acte de foi et d'espérance. Notre Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Et la vie qu'il a voulu donner à l'humanité est un bien précieux sur lequel nous devons veiller et que nous devons faire fructifier pour le bonheur de tous. Au cours de cette veillée, nous prierons ensemble pour que le don de Dieu soit mieux accueilli, mieux respecté, mieux partagé. Le bienheureux Jean-Paul II a aidé l'Église à comprendre que l'Évangile qu'elle prêche au nom du Seigneur est aussi l'Évangile de la vie, et que notre société, si attentive à la paix entre les peuples, à la sauvegarde de la dignité des personnes, à la promotion des droits de l'homme, à la défense de la liberté de chacun, que notre société, soucieuse du progrès de l'humanité, est capable d'une grande violence, en particulier contre l'enfant à naître, le malade en fin de vie ou la personne atteinte d'un handicap. Dans l'encyclique Evangelium Vitae, Jean-Paul II
invite à une grande prière pour la vie qui parcourt le monde entier. Cette prière, il la présente comme une urgence pour soutenir une nouvelle culture de la vie. Certes, dit-il, la disproportion est énorme entre les moyens considérables et puissants dont sont dotées les forces qui travaillent pour la culture de mort et les moyens dont disposent les promoteurs d'une culture de la vie et de l'amour. Mais, ajoute-t-il, nous savons pouvoir compter sur l'aide de Dieu, à qui rien n'est impossible. Si Jean-Paul II parle d'une culture, c'est parce qu'à côté d'un engagement et d'une vigilance sur le plan législatif, l'Évangile de la vie veut transformer du dedans l'humanité entière. Il veut imprégner et renouveler les cultures de l'intérieur, en particulier par la formation des consciences, qui ont à redécouvrir le lien entre la liberté et la vérité, mais aussi par l'éducation des jeunes au sens de la sexualité, de l'amour et de la chasteté. L'Évangile de la vie vient illuminer chacune de notre existence pour la convertir à un amour particulier pour la vie humaine. Nous pouvons dire que le tournant culturel ici souhaité, écrit encore le bienheureux Jean-Paul II, exige de tous le courage d'entrer dans un nouveau style de vie qui adopte une juste échelle des valeurs comme fondement des choix concrets au niveau personnel, familial, social et international. La primauté de l'être sur l'avoir, de la personne sur les choses. Ce mode de vie renouvelé suppose aussi le passage de l'indifférence à l'intérêt envers autrui et du rejet à l'accueil. Les autres ne sont pas des concurrents dont il faudrait se défendre, mais des frères et des sœurs dont on doit être solidaire. Il faut les aimer pour eux-mêmes. Ils nous enrichissent par leur présence même. L'évangélisation, dit encore Jean-Paul II, comporte inséparablement les dimensions de l'annonce, de la célébration et du service de la charité. C'est un acte profondément ecclésial qui met en jeu tous les ouvriers de l'Évangile, chacun selon ses charismes et son ministère. Nous avons ce soir demandé à trois témoins de commenter les paragraphes de l'encyclique Evangelium Vitae relatif à l'annonce, à la célébration et au service de l'Évangile de la vie, afin que chacun puisse réfléchir à la manière dont il peut être porteur d'une véritable culture de la vie soutenue par la grâce de l'Esprit-Saint. Après ces réflexions, nous adorerons le Seigneur dans le Saint-Sacrement parce que nous avons besoin de nous tourner résolument vers Dieu, de nous mettre à son écoute et de nous laisser conduire. Maintenant, nous invoquons l'Esprit-Saint, l'Esprit de lumière.
pouvez vous asseoir. L'évangile de la vie est à annoncer. C'est le premier temps de l'enseignement de Jean-Paul II. Monsieur Jean Caron, marié, père d'une famille nombreuse, professeur de philosophie dans un lycée catholique, nous commente quelques lignes de l'encyclique. Toute la bonne nouvelle du salut apportée par le Seigneur Jésus dévoile la beauté et la bonté de la vie humaine. Prendre la parole devant vous, permettez-moi d'abord de témoigner de ce qu'a été Jean-Paul II pour beaucoup de personnes de ma génération, celui qui s'avança au balcon de Saint-Pierre de Rome, au moment où s'engageaient pour nous nos études supérieures, au moment où se prenaient les grandes décisions de vie, notamment celle des engagements, celle du choix d'une profession. Jean-Paul II, c'était l'homme de l'annonce, celui qui s'avance vers l'homme de ce temps et qui ose une parole. N'aie pas peur, ouvre toute grande la porte au Christ. Avec Jean-Paul II, quelque chose se disait du rôle essentiel de la parole, le choix de s'adresser à l'homme de ce temps et de lui annoncer une parole de vie. Jean-Paul II, c'était pour nous, c'est encore pour chacun d'entre nous, l'homme de l'espérance. Cette annonce, cette bonne nouvelle de la vie, dit que quelque chose est possible, que le monde peut s'ouvrir, que les murs peuvent tomber, qu'un avenir sensé est possible. Jean-Paul II, c'est l'homme de l'Évangile. Ce qu'il s'agit d'annoncer, c'est une bonne nouvelle, un évangile à transmettre. Cette nouvelle, elle se transmet, nous le savons, depuis le matin de Pâques, et elle fonde, pour tous ceux qui l'ont reçue, le devoir de la relayer, pour qu'elle ne soit pas oubliée, pour que, comme disait Bernanos, le monde ne meure pas de froid. Jean-Paul II, c'était l'homme de l'évangile de la vie. C'est celui-là que nous appelons aujourd'hui par son intercession. Quelle bonne nouvelle, en effet. En un sens, rien d'autre que celle de la vie. Nous sommes vivants. Nous aspirons à vivre davantage, à vivre toujours mieux, et avec nous tous ceux qui sont vivants, tous ceux que nous savons vivants en Dieu. Cette bonne nouvelle, chose inouïe, c'est que cette vie qui nous soutient, cette vie que les scientifiques analysent, cette vie pour laquelle les médecins se battent, cette vie que nous avons reçue, cette vie que nous pouvons transmettre, cette vie, elle est vie avec un grand V. Elle commence en Dieu et elle ne finit pas. Elle est appelée à se déployer en vie éternelle. Et alors, un tel témoignage d'un tel homme, reçu au début des choix de la vie, résonne dans la tête d'un homme, d'une femme, d'un homme qui, présent à côté de celle qui deviendrait sa femme, Pascale, mon épouse, au Parc des Princes, à Paris, en 1980, est désigné comme l'athlète de Dieu par le cardinal Marty. Oui, cela peut avoir un sens d'être homme. Cela peut avoir un sens d'être un homme de la parole. Professeur veut dire d'abord parler devant quelqu'un. Cela peut avoir un sens de faire avec quelqu'un un projet de vie et de s'ouvrir à la transmission de la vie. Cela a un sens de servir la vie, de servir les sociétés, dans une de leurs missions centrales, l'éducation. Servir la vie qui grandit, servir la vie pour que des hommes adultes s'engagent à leur tour pour la vie. Quel est cet évangile de la vie qu'annonce Jean-Paul II, qu'avec Jean-Paul II annonce toute l'Église?
Je vous propose de regarder dans vos feuilles ce texte qui vous a été transmis et dans lequel, au paragraphe 81, Jean-Paul II exprime ce qu'il appelle le cœur de l'évangile de la vie. Et soyons attentifs au fait que ce cœur, il se déploie en cinq annonces, comme si le cœur se déployait en une étoile à cinq branches dont chaque pointe vient faire resplendir cet évangile de la vie qu'il s'agit d'annoncer par nos paroles, mais aussi et surtout par nos vies. Il s'agit de proclamer avant tout le cœur de cet évangile. C'est l'annonce d'un Dieu vivant et proche qui nous appelle à une communion profonde avec lui et nous ouvre à la ferme espérance de la vie éternelle. C'est l'affirmation du lien inséparable qui existe entre la personne, sa vie et sa corporéité. C'est la présentation de la vie humaine comme vie de relation, don de Dieu, fruit et signe de son amour. C'est la proclamation du rapport extraordinaire de Jésus avec chaque homme qui permet de reconnaître en tout visage humain le visage du Christ. C'est enfin la manifestation du don total de soi comme devoir et comme lieu de la réalisation plénière de la liberté. En chacune de ces pointes, c'est à la fois le mystère de la vie, la bonne nouvelle de la vie qui est annoncée. Mais en chacune de ces pointes, c'est à une conversion que nous sommes invités. Et dans un climat de vie en société, où une certaine culture de la mort se développe, annoncer la culture de la vie, c'est interpeller le monde de notre temps sur ces cinq pointes. Première de ces pointes, la vie est don de Dieu pour la vie éternelle. La vie humaine, que nous avons tendance à manipuler, à négliger, à réduire à un épiphénomène de l'évolution entre hasard et nécessité, cette vie, elle trouve sa source en Dieu. De là, elle tient son caractère sacré. De là, elle tient sa dimension d'éternité. Si Dieu a sa source dans le vivant, alors elle ne saurait mourir. Ici, le défi, et particulièrement dans l'éducation, lorsqu'il s'agit de réfléchir avec des consciences qui s'éveillent, dans un cours de philosophie de terminale, dans des vies d'étudiants qui se questionnent, le défi, c'est d'oser le questionnement métaphysique. Dans un monde où le savoir est très souvent rétréci, morcelé en une multitude d'approches que seules les sciences osent explorer, la métaphysique fait résonner en l'homme, à partir de sa raison, les questions radicales. D'où vient la vie ? La vie, d'où tient-elle sa valeur, sa grandeur ? D'où vient-elle ? Où va-t-elle ? Et les consciences, aujourd'hui comme hier, voient bien que les sciences n'expliquent pas d'où vient la vie. Où va la vie ? Elles expliquent le vivant, elles cherchent à en comprendre les lois, à en améliorer les dysfonctionnements. Mais une question sourd au plus profond d'entre nous, d'où vient la vie ? Où va la vie ? La foi apporte une réponse qui questionne l'homme de notre temps. La vie vient de Dieu, elle va vers Dieu. La vie, c'est de l'éternité pour l'éternité. Deuxième pointe, cette vie, elle fait l'unité de la personne. Cette vie, elle fait l'unité de notre chair, corps et âme ensemble. Cette attention au caractère sacré de la vie humaine. Monseigneur 23 l'évoquait dans l'ouverture. Cette vie qui est sacrée parce qu'elle vient de Dieu depuis ses premiers moments,
Depuis les moments de son premier jaillissement dans l'acte amoureux, dans l'acte conjugal, jusqu'à la mort naturelle, lorsque la vie s'épuise et que ses signes deviennent extrêmement précaires, cette vie, elle fait l'unité de la personne, de son commencement jusqu'à son terme. Contre les tendances de notre temps, tendances de la science, étroites, sans être nourries par une métaphysique, de philosophie restreinte à une perspective matérialiste, contre ces tendances au dualisme tellement tenace, le Saint-Père Jean-Paul II venait nous rappeler cette unité profonde de la vie. C'est ce qui manque dans les réflexions souvent sur la bioéthique. La vie est une. Jusqu'à ce point, disent certains, il n'y a pas la vie, il n'y a que de la matière. À partir de ce point, il n'y a plus la vie, il n'y a qu'une vie végétative. Il a perdu son esprit, dit-on. Non, la vie est une, c'est cela qu'il s'agit d'annoncer. Elle est inviscérée au plus profond du corps et elle est déjà esprit. En l'homme, esprit incarné, corps sensible, corps parlant, corps sentant, rien ne saurait être séparé ni clivé. C'est à l'homme entier qu'il s'agit de s'adresser. C'est cet homme dont il s'agit d'éclairer l'être. Le défi, et on le voit bien ici avec nos élèves, c'est contre les tendances des savoirs spécialisés, qui se sont arrogés le droit de parler seul du vivant, il s'agit de chercher à construire une anthropologie de l'homme un, dans toutes ses dimensions, charnelle, affective, spirituelle. C'est à cela que nous sommes appelés, en dialogue avec l'homme de ce temps. Troisième pointe, cette vie, vous l'avez sur votre texte, elle est relation, elle est communion interpersonnelle. Il s'agit de ne jamais perdre de vue que la vie, toute vie humaine, depuis ses commencements jusqu'à son terme, n'existe que dans et par la relation. La relation conjugale qui donne vie à la vie au moment où on voudrait que la vie puisse être donnée sans relation interpersonnelle dans l'union conjugale. Cette relation, elle se déploie jusque dans la vie du mourant, qui jusqu'au bout doit être accompagné. Et cette vie, nous le savons bien, cette vie humaine, elle se déploie dans le dialogue, par la parole, dans l'échange, par la relation, dans l'amitié, et elle a sa souveraine expression dans l'amour. Cette vie de relation, c'est à cela que, avec nos élèves, avec nos étudiants, nous devons, dans une société qui devient de plus en plus individualiste, c'est à cette vie relationnelle que nous devons finalement éduquer nos enfants. Et d'abord dans la relation éducative, depuis les instituteurs jusqu'aux professeurs d'université, comment on est signe de cette vie relationnelle. Quatrième pointe, cette vie, elle fait la valeur infinie de tout homme, quel qu'il soit, quelles que soient les manifestations qu'il donne de sa vie, depuis la vie naissante jusqu'à la vie qui s'épuise, jusqu'au comateux, jusqu'à la personne dont vous ne savez pas si il est encore capable de vie relationnelle. Cette attention au caractère sacré de la vie, qui fonde la valeur absolue de toute personne, en tant qu'elle est vivante, qu'elle saisit en elle-même sa propre vie au plus profond d'elle-même, quelles que soient ses performances, quels que soient ses statuts, quelles que soient ses apparences extérieures, c'est cette vie-là que nous devons annoncer et qui nous conduit à dénoncer les atteintes à la vie, quelles qu'elles soient. Contre une tendance à voir la vie évaluée à ses performances, la vie évaluée à ce que nous pouvons en mesurer, et combien le système scolaire, attentif à la performance, risque d'aboutir à cela. Contre cette vie-là, nous avons à affirmer une vie qui vaut pour elle-même, parce que voulue par Dieu, parce qu'elle est ce qui fait de nous une personne. D'où ici le défi d'une anthropologie de la vie, qui saisisse le vivant dans cette capacité qu'il a de se ressentir, de se saisir intérieurement
et qui fait la valeur infinie de la vie. Et là, les chrétiens entrent en relation profonde avec ceux qui affirment les droits fondamentaux de l'homme. Dernière pointe, enfin, une vie qui se réalise dans et par le don libre de soi qui est amour. C'est comme la branche de l'étoile qui permet de boucler. Puisque s'il est vrai que la vie a sa source en Dieu, la vie n'est vraiment vivante qu'en étant image de Dieu. Si Dieu est amour, la vie est vivante en étant amour, en étant signe de cette vie donnée, de cette relation interne à la vie de Dieu. Quand on a découvert que la vie avait comme source le don libre de Dieu, quand on a été attentif à ce que ça impliquait en éthique et en politique, alors c'est l'idée même de vivre qui se trouve transfigurée. Vivre se réalise non pas dans le centrement sur soi-même, dans un égoïsme mortifère dans lequel la vie s'achève et s'arrête et se détruit. Vivre se déploie dans l'amour, relation de personne, don gratuit de soi à la personne la plus fragile, la plus aimée, la plus présente. Défi du coup d'une anthropologie de l'homme vivant qui fait du don et de l'amour l'expression la plus haute de la vie des individus comme des sociétés. Ainsi, entrons vraiment dans cette veillée pour annoncer cette vie-là, pour l'annoncer dans tous les lieux, à commencer par les lieux éducatifs, à l'intérieur de la cathédrale et dans tous les carrefours des gentils, dans le dialogue avec les hommes de ce temps qui ont besoin d'entendre une bonne nouvelle de la vie. Jean-Paul II invite à célébrer l'évangile de la vie. La vie humaine est un mystère plus grand que nous, qui nous entraîne au-delà de nous-mêmes. Olivier et Élodie Taïeg sont paroissiens dans le 14e arrondissement de Paris. Ils travaillent tous les deux, ils sont ingénieurs. Ils sont parents surtout d'un petit Pierre. Du mariage jusqu'à la naissance d'un enfant, c'est le regard sur la vie humaine qui se transforme. Bonsoir à tous. Nous sommes une toute jeune famille composée donc de Olivier, Élodie et Pierre qui vient d'avoir un an.
Le témoignage que nous souhaitons apporter ce soir est tout simple. Nous aimerions vous dire comment une simple petite famille comme la nôtre, comme la vôtre peut-être, s'est retrouvée au cœur de ce cadeau de Dieu qu'est la vie. Nous avons donc lu à la demande des évêques une partie de l'encyclique du pontificat de Jean-Paul II, l'Évangile de la vie. Il faut bien avouer qu'en première lecture, nous n'étions pas vraiment emballés. Le texte était soit un peu trop obscur, soit un peu trop évident. Passé cet aveu difficile, Mgr Éric de Moulin-Beaufort nous a fait une remarque qui nous a éclairés. La seule véritable manière de parler de la vie est de dire banalement qu'elle est simplement vivante. Le cadeau de Dieu est tellement simple qu'on ne le voit pas et qu'on ne saurait même pas en parler sans dire des choses absolument évidentes. Alors pourquoi pas ? Et si on commençait par la Genèse ? Au premier chapitre, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa, homme et femme il les créa ». Nous nous sommes rencontrés dans une chorale étudiante et très vite nous avons été les meilleurs amis du monde, mais nous n'avons pas réussi à nous voir vraiment avant plusieurs mois. Il a fallu pour cela une séparation, donc je suis partie 3 mois aux États-Unis et c'est alors que nous nous sommes enfin découverts l'un l'autre. Jean-Paul II, dans son encyclique, dit qu'il est urgent avant tout d'entretenir en nous et chez les autres un regard contemplatif. C'est le regard de celui qui ne prétend pas se faire le maître de la réalité, mais qui l'accueille comme un don, découvrant en toute chose le reflet du Créateur et en toute personne son image vivante. Contempler l'autre. Un beau programme, mais pas vraiment facile. Pour nous, notre rencontre est un exemple de cheminement qui nous a permis d'accueillir l'autre petit à petit, comme un don venant de Dieu, en changeant avec lenteur notre regard sur lui et en nous ouvrant au projet que Dieu avait pour nous. Quand je suis revenue en France, nous nous sommes mis en couple. Nos débuts ont été très difficiles et très conflictuels. Nous nous sommes disputés dès le premier jour pour tout, rien et n'importe quoi. Malgré cela, Olivia fait sa demande en mariage à peine plus d'un an après le retour des États-Unis. Et comme nous habitions à côté des Dominicains à Toulouse, nous les avons choisis pour nous préparer et pour nous marier. Nous avons eu beaucoup de doutes jusqu'à la veille du mariage. Est-ce que nous faisions bien de nous marier alors que nous disputions aussi souvent ? Même si nous avions tous les deux la certitude que Dieu nous avait vraiment fait l'un pour l'autre. Et pour la messe de mariage, nous avons choisi d'intégrer au maximum notre groupe d'amis de la chorale qui ont animé la messe avec des chants que nous avions appris ensemble, alors que la majorité d'entre eux n'étaient pas croyants. Durant ce jour, nous avons laissé la chorale et le prêtre faire de cette célébration leur cadeau de mariage. Et nous aimons penser que c'est grâce à cela que la messe de mariage nous a apporté la paix. Et c'est ce que nous reconnaissons bien dans le passage de l'Évangile de la vie. Les sacrements sont les signes efficaces de la présence et de l'action du Seigneur Jésus dans l'existence chrétienne. Ils rendent les hommes participants de la vie divine en leur assurant l'énergie spirituelle nécessaire pour saisir en toute vérité le sens de la vie, de la souffrance et de la mort. Il y a un livre d'un dominicain qui pose une question très pertinente. Pourquoi se marier quand on vit déjà ensemble ? Notre expérience personnelle a été que, oui, cela a changé quelque chose. Le mariage a permis à chacun de dire à l'autre « Je te veux irréfutablement, sans contestation possible. » Notre histoire est inscrite non seulement par nous, mais aussi devant Dieu. Dieu nous a conduits patiemment l'un vers l'autre, Dieu nous a confiés à cette famille, qui est l'Église, mais aussi à des personnes qui ne se réclament pas toujours chrétiennes pour nous aider sur notre route. Nous n'avions plus qu'à le laisser faire, mais cela n'est pas toujours facile. Chaque jour, nous avons un défi. Nous aimer jusqu'au bout de la journée, au minimum, ne pas nous coucher trop fâchés. Mais même quand les difficultés nous séparent, nous ne pouvons pas longtemps oublier que devant Dieu, nous nous sommes choisis en vue de la vie. Nous avons quitté Toulouse et laissé les Dominicains et sommes arrivés à Paris, juste après notre mariage, pour tomber entre les mains des Jésuites. Une petite trahison, mais ça a été utile parce que les Jésuites nous ont aidés à faire un gros travail sur nous-mêmes, en particulier grâce à des retraites. Pour nous, le plus dur, c'était en réalité d'accepter l'amour de l'autre sur nous-mêmes. Ça peut vous sembler bizarre qu'on parle de s'accepter soi-même après avoir choisi quelqu'un pour toujours. Mais l'un comme l'autre, nous nous étions trouvés avec les blessures de nos vies. Et voilà que l'autre posait sur nous un regard d'amour
et nous supporte au quotidien. Parce que quand on voit nos salmanies, nos chaussettes qui traînent, notre collection possessive de chaussures, comment accepter que l'autre pose un regard d'amour sur nous? Comment supporter qu'après une dispute particulièrement houleuse, l'autre s'entête à nous pardonner? Il y a une parole dans le psaume 138. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonnée dans le secret, modelée aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevée, tu me voyais sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés, avant qu'un seul ne fût. Grâce aux retraites, nous avons également appris à pratiquer la relecture de journée. Il s'agit de voir que chaque jour nous vivons au moins une chose pour laquelle nous remercions Dieu, une chose pour laquelle nous demandons pardon. Alors nous pouvons nous tourner vers le lendemain en demandant une grâce pour nous aider à vivre ce nouveau jour. Cela permet de comprendre un peu ce que dit Jean-Paul II. Oui, cette vie mortelle, malgré ses tourments, ses souffrances, est une réalité merveilleuse, un prodige, toujours nouveau. Ce cheminement personnel nous a aidés à vouloir aller plus loin ensemble. Après un certain temps à deux, nous avons eu envie d'avoir un enfant. Comme pour beaucoup de couples, ça n'a pas été immédiat. En tout cas, ça a été suffisamment long pour nous poser la question « Que pouvons-nous faire et que voulons-nous faire ?» Dans nos vies professionnelles, nous avons une grande maîtrise sur où nous allons, ce que nous faisons, et face à ce mystère qu'est la vie, tout d'un coup, nous ne maîtrisons plus rien. Que faire pour qu'un enfant naisse dans notre foyer ? Quand en plus, l'enfant tarde à venir, on se pose la question « Est-ce que je désire vraiment transmettre mes limites, mes faiblesses, dans un petit être qui certes ressemblera à l'autre, forcément magnifique, mais également à moi, allergique, asthmatique, colérique ? » Myope, rouquin, angoissé. Nous avons discuté longuement de jusqu'où nous voulions aller pour avoir un enfant, et nous avons décidé de nous en remettre au projet que Dieu avait pour notre foyer. Et c'est très précisément à ce moment-là que Dieu a choisi pour nous confier son enfant, Pierre. Pierre est vivant, ô combien. Il est impossible, en voyant ce petit être, de ne pas voir la vie qui jaillit. Si on arrive à oublier qu'il ne dort pratiquement jamais en journée, qu'il est très motivé la nuit, que son appétit paraît sans limite, il nous rappellera encore qu'il va falloir très très rapidement remonter d'un bon mètre le niveau des objets dans la maison. Tous les jours, il veut aller un peu plus loin. Il jette son jouet un peu plus loin que sa longueur de bras. Il tente de l'attraper, puis il se tortille en tous sens pour se mettre sur le ventre. Il commence à ramper, et déjà il se dresse et s'accroche au meuble. Tout est vie en lui, et nous en revenons à l'émerveillement du départ, en toute chose, le reflet du Créateur, et en toute personne, son image vivante. Nous apprenons à nous connaître tous les trois au fil des jours, et en tant que parents, à écouter les besoins de Pierre et y répondre du mieux possible, en continuant à apprendre de nos limites et de nos faiblesses. Nous ne pouvons pas tout pour lui, mais nous pouvons beaucoup. Nous allons marquer pour toujours son existence, et pourtant nous nous sentons si petits et si peu de choses face à une telle responsabilité. Et c'est là qu'on aimerait bien se reconnaître dans cette phrase de Jean-Paul II, « Au-delà des actions d'éclat, il y a l'héroïsme au quotidien, fait de petits ou de grands gestes de partage qui enrichissent une authentique culture de la vie. » Pierre ne déplace pas seulement le mobilier, hein. Il déplace aussi nos principes. Comme tout le monde, nous avions des théories. Des théories sur la nourriture, sur l'allaitement, sur l'autorité, sur la fessée. Rien n'a tenu. Nous sommes en contradiction flagrante avec certains de nos grands principes imaginés avant de le rencontrer. Et par exemple, Pierre est allaité. Nous avons appris à notre surprise que certains allergènes passent dans le lait maternel, mais nous avons choisi de continuer l'allaitement avec un régime d'éviction très strict de certains aliments pour la mère. C'est un régime qui est difficilement accepté, socialement et familialement, mais les priorités ont complètement changé pour nous. Tous ces choix, même très contraignants, nous apportent une grande joie et une grande paix. Ils nous permettent de souder notre petite famille naissante, mais aussi de laisser tomber des choses non essentielles.
Nous savons désormais que chaque membre de la famille sera toujours là, en soutien, à mesure de ses forces. Par exemple, quand il y a un petit souci à l'allaitement qui demande que le bébé tète beaucoup, Pierre fait son travail de bébé, avec application, jusqu'à résolution du problème. Un autre exemple, dernièrement, pendant tout un week-end, il a eu de gros problèmes digestifs. Il a à peine dormi et a hurlé pendant des heures. Il s'est trouvé que quand l'un d'entre nous arrivait au bord de la crise de nerfs, l'autre trouvait la miraculeuse petite réserve de patience qui lui permettait de s'en occuper et de le réconforter. Nous commettons des erreurs, sans cesse. L'essentiel est qu'à tout moment, l'un d'entre nous se rappelle des choix éducatifs que nous avons faits. On associe habituellement le mariage et la parentalité à tellement de contraintes, et pourtant nous pouvons témoigner que ces contraintes nous rendent libres. Nous découvrons que c'est en nous aimant, en nous acceptant comme nous sommes, que nous donnerons le mieux aux autres. Nous le vivons vraiment comme une vocation, car en nous donnant au sein de notre famille, nous avons l'impression de nous donner à Dieu, ou en tout cas de nous oublier un peu. Comme c'est étrange de découvrir que plus on donne, plus on reçoit. La logique de Dieu est sûrement ainsi faite. En conclusion, nous ne savons pas combien nous allons avoir d'enfants. À vrai dire, nous ne voulons même pas le savoir. Nous verrons bien combien Dieu nous en confiera. Nous trouvons juste que plusieurs, ce serait encore plus sympa. Ce message d'espérance. N'ayez pas peur de répondre au Christ qui vous invite à vous mettre à sa suite. Servir l'évangile de la vie, c'est le troisième aspect de l'attitude globale à laquelle le bienheureux Jean-Paul II nous appelle. Pour le pape, ce service exprime la mission du chrétien en ce monde, en sa totalité, à partir de l'urgence la plus grande. Jean-Guilhem Xéry est médecin, biologiste des hôpitaux. Il est aussi président de l'association Aux Captifs à Libération, association née de l'intuition et de l'engagement d'un prêtre et de plusieurs laïcs, au service de ceux qui forment le monde de la rue. Visé par son service l'évangile de la vie, c'est approfondir ce qu'est la charité. Je vous propose de réécouter quelques paroles données par Jean-Paul II dans Evangelium Vitae, entre les paragraphes 87 et 91. C'est un petit extrait. Je ne suis pas sûr qu'il est sur les feuilles. En vertu de la participation à la mission royale du Christ, le soutien et la promotion de la vie humaine doivent se faire par le service de la charité qui se traduit dans le témoignage personnel, dans les diverses formes de bénévolat, dans l'animation sociale et dans l'engagement politique.
Il s'agit là d'une exigence particulièrement pressante à l'heure actuelle, où la culture de la mort s'oppose si fortement à la culture de la vie. Dans le service de la charité, il y a un état d'esprit qui doit nous animer et qui doit nous distinguer. Nous devons prendre soin de l'autre en tant que personne confiée par Dieu à notre responsabilité. Comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à nous faire le prochain de tout homme, avec une préférence marquée pour qui est le plus pauvre, le plus seul et le plus dans le besoin. Il s'agit donc de prendre soin de toute la vie et de la vie de tous. Ou plutôt, plus profondément encore, il s'agit d'aller jusqu'aux racines même de la vie et de l'amour. Jean-Paul II nous dit donc très clairement, le soutien et la promotion de la vie humaine se font par le service de la charité. Oui, il y a entre la vie et l'exercice de la charité une relation très étroite, des liens indissociables. Nous ne parlons pas là de la charité au sens où elle est fréquemment considérée aujourd'hui. Un mot ringard, utilisé pour parler d'une espèce de pitié condescendante, synonyme de bonnes œuvres. Cette sorte de charité que l'on fait pour se donner bonne conscience, un peu comme une béa. La charité est d'ailleurs tellement disqualifiée qu'il n'est plus question de nos jours que de philanthropie, d'humanisme ou de solidarité. Exit la charité. Or, saint Paul nous affirme que la charité est la plus importante des vertus théologales. Et c'est à nous aujourd'hui, c'est à nous, de redonner du sens et de la chair à ce qu'est authentiquement la charité. Il s'agit de la charité de l'Évangile, la charité comme l'amour gratuit qui nous vient de Dieu, qui en est même d'ailleurs son propre cœur, cet amour qui donne la vie et qui nous demande de communiquer à tous. Lors d'un week-end passé ensemble et après la partie de foot, un adolescent trisomique, probablement inspiré, me disait « L'amour, tu sais, c'est quand on veut que quelqu'un soit tout le temps vivant. » Il exprimait à sa façon ce lien incontestable entre l'amour-charité et la vie. Ces lignes du bienheureux Jean-Paul II que nous venons de réentendre m'évoquent trois réflexions quant à la façon de vivre la charité au service de la vie. Trois réflexions centrées sur le faire. Faire pour, faire avec et se laisser faire. D'abord, dans la charité au service de la vie, il s'agit de faire pour. La charité doit se traduire par des œuvres concrètes, par des projets, par la mise en œuvre d'actions, d'initiatives innovantes si nécessaire. Il n'y a pas de charité sans réalisation. C'est une des exigences de l'Évangile et de son réalisme. Cette incarnation concrète de la charité dans des œuvres, parce qu'elle est bien source de vie, va de préférence là où la vie est en danger, là où la vie est fragilisée. Et elle doit nous conduire à toujours chercher à mieux soigner, à mieux prendre soin des plus pauvres, des personnes isolées, des malades, des sans-défense, de ceux que notre société et nos communautés ont du mal à accueillir. Ce soin, ce travail au niveau de la relation de personne à personne, bien sûr, dans une activité concrète, une maraude, de l'alphabétisation, une visite aux malades, par exemple. Mais ce soin se joue aussi à l'échelle collective, comme quand des responsables contribuent à mettre en place des dispositifs, des organisations ou des lois au service de la vie et de sa croissance. En faisant pour les plus fragiles, le service doit viser à soigner, à apaiser, à remettre debout, mais il doit aussi chercher à transformer et à améliorer la société dans son fonctionnement et dans ses valeurs. C'est là le rôle tout particulièrement des politiques, des intellectuels et des médias. Fondamentalement, toute vie est fragile, et la charité ne saurait se concentrer seulement sur des populations particulières ou des problématiques spécifiques, prenant alors le risque de la stigmatisation. Jean-Paul II l'écrit, la charité est pour toute la vie et la vie de tous. En aucun cas, la charité ne peut être exclusivement déléguée à des spécialistes qui se consacreraient à leurs pauvres. Si la charité nécessite des compétences techniques et donc des professionnels et des personnes formées,
Elle s'appuie tout autant sur la compétence du cœur que développe Benoît XVI dans son encyclique Deus Caritas Est. Plus largement, la charité concerne tout baptisé, désireux que sa vie entière, intime, familiale, sociale, professionnelle, soit prise, soit comme emportée par ce mouvement de la charité. Autre façon de le dire, il n'est pas possible de considérer qu'il existe deux types de charité, l'une qui serait destinée aux plus pauvres, et puis l'autre pour ceux qui ne le sont pas ou ne pensent pas l'être. Le prochain que nous sommes appelés à servir de charité, c'est l'exclu, c'est le pauvre. Mais ce prochain, c'est aussi celui qui nous est proche dans notre travail, dans notre voisinage ou dans notre famille. C'est la même charité qui cherche à se donner et à donner la vie. Jean-Paul II parle d'un état d'esprit pour le service de la charité. Demandons ce soir cet esprit qui désire que la vie croisse et grandisse chez l'autre proche ou lointain, chez l'autre ami ou ennemi. Prions pour recevoir cet esprit capable de tenir ensemble la gratuité et la recherche d'efficacité. Si le service de la charité est d'abord fait pour l'autre, et ce concrètement, il ne pourra pas se faire sans lui. Le faire pour s'accompagne du faire avec. Faire avec celui pour qui on fait pour, ce sera se mettre au diapason de ses ressources, de son degré d'autonomie, de là où il en est. Ce sera tenter de marcher à son pas, ce qui n'est pas toujours simple, nous le savons. Fondamentalement, faire avec son prochain, c'est le considérer comme un être humain, dans toutes ses dimensions corporelles, relationnelles, spirituelles. C'est le reconnaître comme une personne, comme quelqu'un qui compte pour nous. Un peu comme cet homme sans abri qui un jour disait « J'ai commencé à me dire que j'allais m'en sortir quand je me suis rendu compte que vous me regardiez comme un humain. » Mais faire avec, c'est aussi faire avec d'autres que moi, autres dans leurs convictions politiques, dans leur sensibilité religieuse ou dans leurs croyances ou non-croyances, autres dans leur culture ou leur origine géographique, autres dans leur organisation ou leurs moyens, autres dans leur âge, autres dans leur état de vie ou leur trajectoire de vie. Et dans tous les cas, faire avec, c'est toujours faire avec soi-même, c'est-à-dire faire avec son histoire, avec ses talents, mais avec ses défauts, avec sa cohérence et avec toutes ses contradictions. Bref, c'est faire aussi avec ses propres lumières et ses propres ombres. Et enfin, faire avec, c'est faire avec celui qui est la vie même, c'est faire avec le Christ. Autrement dit, faire avec, c'est se mettre dans une position d'accompagnement réciproque. Et donc, c'est une affaire de présence. Étymologiquement, accompagner vient de cum panis, ce qui signifie partager le pain. Oui, la charité, c'est un service à rendre, c'est aussi un partage de ce qui nourrit le cœur et le corps de l'homme. Sachons en demander la grâce. La dernière réflexion, c'est que le service de la charité consiste à se laisser faire. Se laisser faire veut dire se laisser toucher par celui ou celle que l'on s'efforce de servir. Toucher aux tripes à un niveau émotionnel, bien sûr, et les médias nous y aident très largement. Mais ce n'est pas suffisant. La charité appelle à ce que notre cœur profond et notre intelligence aussi soient touchés. Et que nous acceptions de changer de regard, par exemple, sur les migrants ou sur les personnes de la rue, d'envisager les choses autrement, de penser peut-être différemment. Se laisser faire, c'est aussi souvent accepter de voir son emploi du temps et ses planifications dérangées, un petit peu comme dans la parabole de l'ami importun. Se laisser faire, c'est aussi se laisser bousculer, se laisser déplacer par ce qui se passe dans la relation de service et aussi ce qui ne s'y passe pas comme prévu ou ce qui ne s'y passe pas du tout. C'est recevoir ce qui s'y donne. C'est accueillir les sentiments divers qui apparaissent et qui nous traversent. Ces sentiments sont parfois
consolant et encourageant quand on perçoit chez l'autre un surcroît de vie. Ils peuvent être aussi désolants ou déroutants quand notre service nous met face à l'échec, face à l'impuissance, et qui parmi nous n'en a pas fait de l'expérience. En profondeur, se laisser faire, c'est se laisser faire par Dieu. Dans le service de la charité, Dieu appelle, Dieu travaille les cœurs et les pétrit. Il guide, il nourrit, il donne du sens et de la joie. En fait, dans le service de la charité, Dieu se donne et se révèle, lui, le Maître et Seigneur qui s'est fait serviteur. Et pour se laisser faire par Dieu, il y a trois temps à prendre. Trois temps. Le premier, c'est le temps de l'action et de la présence. Le deuxième, c'est le temps de la relecture. Et le troisième, c'est le temps de la prière. L'action, la relecture et la prière. J'aime beaucoup à ce sujet cette phrase du père Marie-Eugène, qui était un carme du XXe siècle, donc un contemporain, qui aimait à dire « les hommes d'action les plus accomplis sont d'authentiques contemplatifs ». Alors oui, à ces conditions, comme le dit Jean-Paul II, nous pourrons nous hisser à la hauteur de la charité du Christ. Faire pour, faire avec, se laisser faire, nous sommes tous appelés par notre baptême à être des hommes et des femmes d'action au service de la charité, au service de la vie. Nous sommes appelés non pas à faire la charité, mais à vivre la charité et à vivre de la charité. Cet appel retentit dans notre vie personnelle quotidienne ou dans des engagements plus particuliers, relationnels, sociaux, politiques, intellectuels. Mais l'apparente mesure ou la modestie de ces engagements, de nos engagements, importe peu. Du moment que nous choisissons comme compagnon le Christ qui est le pain de la vie. Thank you.
De l'Évangile selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs : Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit.
Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Seigneur Jésus, toi le vrai berger, le bon pasteur, tu es venu, envoyé par le Père, pour que sa vie, qu'il a voulu partager à l'humanité, nous habite en plénitude. Cette vie divine dans laquelle tu es plongé avec l'Esprit Saint est la même que la vie humaine que nous connaissons. Elle en est la source, elle en est le but. Et la grandeur de notre existence, c'est de déchiffrer, jour après jour, l'invisible vie de Dieu agissant dans la vie des hommes. Quand tu leur as partagé le pain pour les nourrir, tu leur permettais de vivre leur vie d'homme, mais tu leur annonçais en même temps la vie divine qui est nourrie par le pain venu du ciel. Quand tu guérissais leurs maladies et leurs infirmités, tu soulageais leur corps, mais tu leur annonçais le salut que Dieu veut pour tous les hommes. Quand tu les instruisais, tu nourrissais leur intelligence, mais tu ouvrais leur cœur à la seule vérité, Dieu lui-même. Quand tu as ressuscité ceux qui étaient morts, tu les as rappelés pour quelque temps à la vie mortelle, mais surtout, tu manifestais que tu pouvais leur donner la vie qui ne finit pas. Dans son immense amour, Dieu a fait de nous les gérants de la vie sur cette terre. Quand nous accueillons la vie, c'est Dieu qui nous visite. Quand nous servons la vie, c'est Dieu que nous servons. Quand nous méprisons la vie, c'est Dieu que nous méprisons. Quand nous combattons la vie, c'est Dieu que nous combattons. Puisque tout ce que l'on fait au plus petit d'entre ses enfants, c'est à lui que nous le faisons. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, tu as porté sur la foule qui t'entourait un regard de pitié, car tu les voyais comme des brebis sans pasteur. Aujourd'hui, nous t'en prions. Que ce regard habite nos cœurs
pour que nous aussi, nous sachions reconnaître celles et ceux qui sont abandonnés, sans pasteur. Habite nos cœurs pour que nous puissions voir l'humanité abandonnée au bord du chemin dont la vie s'écoule, que nous soyons émus au plus profond de nous-mêmes et que nous nous approchions d'elle, que nous lui apportions les remèdes pour la relever, que nous prenions soin du plus petit des hommes au nom de l'amour de Dieu. De l'Évangile selon saint Jean. Après la mort de Jésus, comme c'était la veille du sabbat, les soldats allèrent briser les jambes du premier puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Seigneur Jésus, la lance du soldat qui perce ton côté est comme l'instrument de mort par lequel on veut vérifier que la vie a bien été vaincue. Et dans ce geste réglementaire s'exprime, comme de façon symbolique, la blessure que l'humanité porte à l'amour de Dieu. Dans la lance de ce soldat, c'est notre refus d'amour qui va toucher l'homme abandonné. Dans la lance de ce soldat, c'est notre péché qui achève l'offrande que tu fais de ta vie. Seigneur Jésus, ce geste de mort ouvre mystérieusement et symboliquement une source de vie, puisque de ton côté transpercé jaillit l'eau et le sang dans lesquels la foi de l'Église discernera la source
de la vie nouvelle à laquelle nous sommes appelés. Et c'est donc paradoxalement au moment où nous croyons mettre à mort celui qui est venu apporter la vie, que le geste de mise à mort ouvre un nouveau chemin de vie. Ce soir, devant toi, nous reconnaissons que nous aussi, nous tenons cette lance avec le soldat. Nous reconnaissons que nous aussi, nous avons des gestes, des paroles, des intentions qui sont homicides. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et nous croyons que même notre péché peut se retourner en fleuve de vie par la puissance de la miséricorde de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Sur la croix, tu as dit « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Que ton esprit mette en nous cette parole. Les hommes ne savent pas ce qu'ils font. Et quand ils croient arrêter la vie, l'amour de Dieu qui sait ce qu'il fait peut faire jaillir le pardon et la vie. Pour toutes celles et tous ceux qui se sont laissés entraîner aux actes de mort, ce soir nous t'en supplions, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que la puissance de la miséricorde de Dieu rejoigne au plus secret des cœurs les replis de la haine, qu'elle ouvre nos cœurs à l'amour et à la vie. Seigneur Jésus, l'eau du baptême a jailli de ton côté. Elle nous purifie de notre péché. Elle nous entraîne dans la vie divine. Le sang de l'Eucharistie a jailli de ton côté. Il nourrit en nous la vie qui vient de Dieu et il lui fait porter du fruit. Seigneur, donne-nous de vivre vraiment notre baptême. Donne-nous de vivre vraiment l'Eucharistie.
Tantum ergo Panem de cielo presseristi eis. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes dans la communion du Père et de l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Thank you.
Frères et sœurs, nous allons achever notre veillée en nous confiant à la Vierge Marie, mais auparavant, cette soirée ayant occasionné que vous en doutez quelques frais, les bénévoles de la cathédrale vont passer parmi vous pour une quête. Ils chanteront ensuite le Regina Caeli, les évêques quitteront la cathédrale et vous attendront dehors pour vous donner une image souvenir de cette veillée. Regina Caeli.